Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing AliExpress. J'ai commandé un projet à cause, j'accuse, Jess Livre Addict. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si j'y pense. Elle avait déjà parlé de cette activité il y a 4-5 ans. Ça m'avait déjà beaucoup plu et j'avais regardé. Elle avait mis un petit lien en barre d'infos, j'étais allée voir, mais ça coûtait très cher. Donc je vais laisser tomber, tant pis, c'est pas grave. Je ferai pas ça. Et là, ça redevient à la mode, si je puis dire. Mais c'est surtout que c'est beaucoup plus abordable. Voilà, car il y en a sur AliExpress, vous en trouvez un petit peu à Action. Moi j'en ai pas trop, mais bon, c'est vraiment pour les enfants à Action. Donc j'ai pas pris. Sinon, vous en avez sur Amazon. J'ai d'ailleurs un projet Amazon qui devrait arriver, mais c'est beaucoup plus long qu'AliExpress finalement. Donc là, j'en ai commandé un. Normalement, il est très gros. Voilà. Je commence pas petit. Bon. Non. J'en ai commencé un. Voilà, je vais en commencer un très gros. Et c'est pour au final mettre dans la chambre de Bibou. Je dois avoir mes lunettes qui sont dégueulasses. Oh oui, tellement. Donc, si vous me suivez, si vous connaissez Bibou, vous devez vous douter de quel thème il s'agit. Donc, mais par contre, quel projet ça... Parce que là, depuis le début, je pense que je l'aurais mis dans le titre. Et donc, c'est un projet Diamond Painting. Donc, qu'est-ce que la Diamond Painting? C'est de la peinture par strass, on va dire que c'est ça. De toute manière, là, je vais faire l'unboxing avec vous. Faut que je vérifie si j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, avant de mettre ma note au vendeur, comme quoi j'ai reçu tout ça. Vérifier que j'ai tout ce qu'il me faut. Voir si j'ai pas un litige à faire. J'espère pas. Et après, je vais essayer de commencer avec vous. Voilà. En attendant que Bibou il se réveille, là je l'ai mis à la sieste il n'y a pas très longtemps, donc normalement ça devrait aller. Et je vais aussi vous montrer ceci. Je me suis procuré la LED Light Pad de chez Action. Donc voilà, ça va me servir à voir beaucoup mieux mon canevas. Mais vous allez comprendre à la suite. Le colis est juste énorme. Voilà, donc un très gros projet. Je ne sais plus en quelle dimension je l'ai pris. La boîte est comme ceci. C'est très joli. Hein, voilà. Donc, par où je l'ouvre. Parce que bien entendu, rien n'est écrit en français dessus. Hein, donc, il y a un petit bête là. Le projet en rouleau qu'il va falloir que j'arrive. Il va falloir que j'arrive. La pâtière. Je suis servie. Donc mon projet, c'est un square en 70-90. Je sais pas si vous allez voir. 70-90. Et le projet, c'est... Donc c'est tout autocollant. Hein. Voilà, il va falloir que je colle des petits diamants sur toutes les petits symboles et chaque symbole correspond à une couleur. Et donc moi c'est un projet Flash McQueen. Donc ça va me prendre plein de temps. Voilà. Je sais même pas comment je vais pouvoir bosser là-dessus tellement qu'il est grand. J'ai pris une très grande taille parce qu'il y a beaucoup de détails, donc pour que ce soit assez joli, sinon ça va faire tout pixelisé, tout bizarre. Donc c'est un 70-90 et je l'ai eu pour 38,60 €. Voilà. Donc vous avez le projet plastifié collant là, et vous avez les paquets de tools. Des paquets de diamants. Donc moi c'est des diamants carrés. Donc je vais
va falloir que je les ouvre et que je vérifie que j'ai tout ce qu'il me faut. Et j'ai aussi les petits outils pour travailler. Donc le petit stylet où je vais devoir apposer un petit point de wax de colle pour pouvoir prendre mes diamants. Donc un petit stylet et le tray pour mettre mes diamants dessus et les mettre bien, ça va les mettre à plat. Et du coup moi j'en ai deux, j'ai deux petits kits comme ça, donc c'est bien. Je vais pouvoir travailler sur deux couleurs en même temps, je serai pas obligée de prendre qu'une couleur, enfin je vais voir comment je vais faire. Mais bon là pour l'instant je vais vérifier tous mes petits diamants, vérifier que j'ai tout. Par contre je vois pas de feuilles en rab avec le canevas, tout ça. Parce que là j'ai que ça, je suis d'accord. Hein, j'aurais bien aimé avoir une feuille avec voilà, récapitulatif de ça et du dessin. Pour pouvoir. Parce que normalement je suis censée avoir ça, je pense, pour vérifier que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai peur. Donc je vais ouvrir tout ça. Et j'espère que je vais trouver une feuille là-dedans. Mais j'en vois pas. J'espère que je vais avoir assez de diamants pour tout. Donc là, j'ai tout ouvert. Donc je suis en train de me faire mon petit papier parce qu'en fait, il n'y a pas de papier. Hein. Et je suis en train de renoter partout sur tous les petits sachets à quel symbole ou numéro correspond la couleur. Donc par rapport à ma charte, je vais essayer de vous bouger. Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça. Sans vous faire vomir, bien sûr. Alors, donc on a la charte qui est ici. Donc j'ai mes symboles et j'ai les numéros des sachets qui correspondent en face. Donc je me fais une charte maison. Hein. Là, c'est surtout que je pointe. Si j'ai toutes les couleurs, hein, et au fur et à mesure que je repointe mes couleurs, je rajoute sur mes sachets le symbole correspondant. Donc là, j'ai le 745. Je le cherche dans ma liste, mais bon, là, c'est compliqué parce que moi, je vois à l'envers. Là. Donc c'est le V en 745. Oui, c'est ça. Donc je me mets le petit V et en face, je me mets un petit bâton pour... Comme quoi je l'ai bien reçu. Donc là, 898, c'est le petit escargot bizarre là. Nous avons 25 couleurs. Hop. Je vais ouvrir ce petit sachet. Donc le stylet. Hop, le tray. La wax. Une petite partie. Voilà, ouais, il y a une petite partie. Là, vous avez aussi une partie un peu plus large. Je ne sais pas comment je vais vous montrer. Voilà, vous avez une partie un peu plus large sur l'autre bout. C'est pour en mettre plusieurs normalement, mais je suis pas sûre que ce soit bien pour ça. Mais bon, ou pour peut-être recaler. Mais je suis sûre, certains, il y en a. Donc, là vous voyez le trait, là j'ai le wax. Je vais prendre, hop, je vais mettre de la wax à l'intérieur juste en pointant.
Je vais essayer de vous poser, parce que je vais essayer de commencer, mais commencer dans le coin, hein, parce que je vais aller en allant au niveau de la partie qui se décolle pour pas qu'il y ait de poils de chat ou quoi que ce soit qui s'y infiltre. Donc là, j'ai mis ma lampe est en dessous. À trois intensités, comme ça je la coince juste au bout, au coin pour être droite pour mon projet. Voilà, attention. Donc vous voyez, c'est collant. Et voilà, tous les symboles. Je sais pas comment je vais pouvoir. Voilà. C'est du numéro d'art en version diamant en fait. Donc je vais y aller doucement mais sûrement. Quelle couleur il me faut en premier? Il y a du Y, il y a du 4. Donc je vais déjà mettre ces couleurs de côté. Donc ma batterie a coupé hier, au moment où j'allais commencer mon DP, et vu que j'en ai pas de rechange et que c'est un caméscope. C'est un vieux caméscope, donc voilà. Je peux pas faire comme les grandes youtubeuses, prendre une batterie de secours et continuer à filmer. Voilà, donc j'ai avancé dans mon projet, et je me suis aussi rendu compte que dans ma commande, j'avais pas eu de pince comme ça, une pince recourbée. La plupart du temps, ils en mettent une avec. Et moi, j'en ai pas eu. Mais bon, j'ai quand même eu deux trays et deux stylets. Donc, mais bon, puis moi, j'en ai une pour le nail art. Donc, voilà, c'est pas grave. Donc, j'ai quand même avancé. Vous allez sûrement entendre en fond les vidéos YouTube que j'ai mis pour Bipo. Là, il est calme. Il vient de manger, donc il regarde ça. Il regarde des unboxings Lightning McQueen. Enfin, des chaînes pour enfants quoi. Donc hier j'ai commencé. J'ai essayé de l'autre embout là au dos pour en mettre plusieurs, mais je trouve ça pas pratique du tout. Faut encore que les diamants se mettent dans le bon sens, et enfin non, j'ai pas trouvé ça, donc je préfère y aller diamant par diamant. Donc, je vais vous montrer un peu l'avancement de mon projet. Je sais pas si je vais. Non, c'est comme ça. Voilà, comme ça. Donc j'ai toujours. Là vous voyez que j'ai ma lampe en dessous là. Voilà. Donc hier j'ai fait un carré. Voilà. J'ai fait un carré comme ceci. Je peux pas vous montrer plus. Enfin, c'est problématique, hein. Avec un vieux appareil. Et là où ouais, je commence, voilà, je recommence une seconde partie. Je peux vous montrer ça. Voilà. Là j'ai commencé l'Y. Mais je suis déjà contente de moi par rapport à l'avancement d'hier. Hier soir j'ai. Voilà, là il était mal mis. Parce que bon, hier soir j'ai fini très tard et j'avais plus beaucoup de luminosité, vous vous en doutez à cette heure-ci. Mais voilà. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Je trouve que j'ai été quand même assez régulière sur les bords. Je trouve que je suis quand même relativement droite. Enfin, je m'envoie les fleurs, mais voilà, je trouve que ça. Oups. Je trouve que ça va quand même. Donc, je vais continuer d'avancer un peu avec vous. Je me suis rendu compte quand j'étais quasiment à la fin de celui-ci que malgré le fait que je me prenne une couleur et que j'essaye de compléter tout dans le carré, la couleur correspondante, à chaque fois j'en oublie un ou deux quoi. À force de regarder les chiffres ou les lettres, on n'y voit plus.
Celui-là, il a un petit trou. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il a un trou. Bon, je me dis, c'est pas encore très très grave parce que bon, vu de loin, ça va pas se voir. Je pense. Ceux-ci, ils sont bizarres aussi, ils sont tout le temps attachés les uns aux autres. Je sais pas comment ça se fait, mais cette couleur-ci, c'est une horreur. Je sais pas si vous voyez, c'est que des amas de... Ils sont tous collés les uns aux autres, en fait. Et bah, c'est chiant, parce qu'il faut les séparer. Mais c'est pas terrible. J'essaye un peu, mais puis j'ai l'impression qu'il se recolle de toute manière. Quoi que je fasse, hop, je vais séparer quelques-uns. Celui-là encore là. Celui-là encore. Je sais pas pourquoi cette couleur-là, elle fait ça. Alors ça c'est le X. Que je fasse pas de bêtises.